Il est parti aussi. Oui. Bonjour. Mm-hmm. Je peux rencontrer le propriétaire de la maison. C'est pourquoi? C'est par rapport à cette plaque. Elle a quoi la plaque? Ils ont écrit la recherche d'une ménagère. Et je suis là pour ça. Non, c'est bon, ça va. Pardon? J'ai déjà trouvé une ménagère. Ah, ok. Désolée. Vous pouvez partir. Bonjour madame. Mm-hmm. Je suis là pour la plaque madame. Vous avez une expérience en tant que ménagère? Oui madame. Votre précédent emploi, que s'est-il passé? Mes anciens patrons sont rentrés dans leur pays. Bon, je vous embauche. Merci, madame. Merci beaucoup, madame. Votre salaire de base sera de 50 000 francs. 50 000? Oh, madame, merci pour votre générosité. Vous pouvez commencer quand? Même maintenant, si vous voulez, madame. D'accord. Vous commencez demain. Ok, madame. Merci beaucoup. Vous pouvez partir. Merci, madame. Que Dieu vous bénisse. Chérie. Oui. J'ai trouvé une ménagère ce matin. Ah bon? Mais c'est super. On en avait vraiment besoin. Ah ça, je t'assure. Et combien tu lui as proposé? 80 000. 80 000? Oui. Mais ce n'est pas assez pour une si grande maison. Mais attends, chérie. 80 000, c'est trop cher à payer, à mon avis. Et puis, cette maison n'est pas aussi grande que ça. Mais chérie, on avait dit 150 000. Et elle a accepté? Ouais. Tant mieux. Elle commence quand? Demain. Super. Ok, maman. Maman, viens. Viens, bois ton remède. Viens boire ton remède. Ouais, maman, s'il te plaît. Ouais, maman. Maman, viens, pardon. Viens boire ton remède, pardon. Ça va te soulager. Ouais, s'il te plaît, maman. Pardon. Pardon, maman. Bois, ça va te soulager. Maman, s'il te plaît. Viens, viens, non, maman. Viens boire. Viens boire ton remède. Viens. Ouais, maman. S'il te plaît. Ouais, maman. Ouais, viens. J'aime pour un, prends ton remède. Maman, ne retire pas, ça va t'aider.
Patience. Patience, maman. Ouais, Seigneur, je te prie, guéris ma mère. Ouais, mon Dieu, je te plaît, guéris ma mère. Ouais. Maman, oui, repose-toi, maman, ça va aller. Ça va aller, maman chérie. Ça va aller. Ça va aller, Mouna. Ça va aller. Bonjour, Pauline. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Oui? Monsieur, je sais que c'est très tôt. Mais je souhaiterais avoir une avance sur mon salaire. J'ai une situation grave à la maison. Ma mère est malade. Elle est très mal en point. Je vous en prie. Elle souffre de quoi? Je ne sais pas, monsieur. Elle tousse tellement et elle s'affaiblit visiblement. Ah, je vois. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens. Oh, merci beaucoup, monsieur. Merci. C'est notre modeste contribution. Surtout, ce ne sera pas déduit de ton salaire, ok? Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Pauline. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Je t'en prie, relève-toi. Merci, monsieur. Merci. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bien fou. Je sais, bébé. Ah, j'oubliais. Pauline m'a abordé ce matin pour me parler de la maladie de sa maman. Elle voulait une avance sur salaire. Pardon? Bébé, j'espère que tu n'as pas bafoué mon autorité en lui remettant cet argent. Hein? Parce que juste à cause du conflit, je suis celle habilitée à lui remettre son salaire. Et puis même, de quel droit elle vient te voir pour te demander de l'argent alors qu'elle commence à peine? Non, je ne lui ai pas donné l'avance sur salaire. Je lui ai juste donné un petit truc qui était comme notre participation dans les soins de sa mère. Pardon? Hein? Donc quand il s'agit de la ménagère, tu es altruiste. Mais quand ce sont les problèmes de ma famille, monsieur devient sourd. C'est ça? Hein? Mais chérie, tu ne vas pas en faire tout un problème? J'en fais. Encore toi? Je n'ai pas fait exprès, madame. Encore toi? Ramasse-moi ça, Pauline! Ramasse! Tu vas finir toute cette assiette! Tu t'arrêtes de jouer de ton salaire! Oui, pardon, madame! Idiote! Pardon, madame! Imbécile! Pardon, madame! Connasse! Charlotte! Quoi? Pourquoi tu lui cries dessus? Mais pourquoi réagis-tu de la sorte? Didier, ne me crie pas dessus comme ça! Et si tu peux devant cette mégère? Elle vient de pousser toute ma porcelaine japonaise, tu te rends compte? Aucune porcelaine ne vaut une vie humaine. Tu peux pas comprendre ça? Un jour on est chef, on traumatise les autres. Mais un jour au retour, on paie le prix de la méchanceté. Tout le mal que tu fais aux autres, un jour tu vas le payer. Tout le mal que tu as fait aux autres, un jour tu le payeras. Monsieur,
Merci beaucoup, monsieur. Ça va aller, hein? C'est pas grave. Olivier. Oui, madame. C'est quoi cette affinité entre mon mari et toi? Non, madame. C'est une relation entre patron et employé. Pauline, je l'espère pour toi. Je l'espère pour toi. Et que ce soit la dernière fois, Pauline. C'est la toute dernière fois que tu hasardes à demander encore l'argent à mon mari. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Tu as compris? Oui, madame. Je m'excuse. Un jour on est chef, on traumatise les autres. Mais un jour au retour, on paie le prix de la méchanceté. Tout le mal que tu fais aux autres, un jour tu vas le payer. Tout le mal que tu as fait aux autres, un jour tu le payeras. Doudou, Ali, tu vas me bouder longtemps encore. Bébé, je suis désolée. Je suis désolée. C'est bon. Mais tu dois comprendre une chose. On respecte toujours ses subalternes, d'accord? D'accord. Pauline est notre domestique et non notre esclave. Je ne veux plus vraiment voir ce que j'ai vu ce matin. Ok? Ok. Joyeux anniversaire! Merci, bébé! Merci, maman. J'ai encore sauvé. Merci, c'est gentil. Merci. Tout le mal que tu fais aux autres, un jour tu vas le payer. Un jour on échappe d'État, un jour le pouvoir finit. Un jour on est ministre, un jour on est directeur. Mais un jour on n'est plus rien. La vie à l'aller et le retour. Un jour on échappe, on traumatise les autres. Mais un jour au retour, on paie le prix de la méchanceté. Tout le mal que tu fais aux autres, un jour tu vas le payer. Tout le mal que tu as fait aux autres, un jour tu le payes. Bonjour Pauline, ça va? Bonjour monsieur, ça va bien, merci. Bon voilà, je fais une petite fête à l'occasion de l'anniversaire de madame. Je vais inviter quelques personnes. Je compte sur toi pour le menu. Ok monsieur, je fais à manger pour combien de personnes? Environ une dizaine de personnes, voilà, un peu plus, un peu moins, une dizaine de personnes. D'accord, monsieur. Ça suffira? Oui, monsieur, bien sûr.
Ok. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu me jettes encore? Oh, chérie, c'est pour toi. Ah bon? C'est pour ce soir, c'est pour nos invités. Merci. Merci, bébé. Mmh. Bonjour, Pauline. Bonjour, madame. Comment va ta maman? Madame, elle va mieux. Content de le savoir. Tu lui passes le bonsoir de ma part, d'accord? Oui, madame. Mmh. Toi, on n'a pas encore terminé. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
C'est quoi? Madame, je suis tellement fatiguée. Fatiguée que tu as travaillé quoi? Hein? Pauline, lève-toi de là, tu vas faire le ménage. D'accord, madame. Dépêche-toi! Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, Pauline? Pauline, ça va? Elle se sent pas bien? Ça va aller, hein, Pauline. Sois forte, OK? Merci, monsieur. Je vais aller voir le médecin pour savoir ce qu'il en est vraiment. Ça va aller, maman. Docteur, au juste, qu'est-ce qu'elle a? Vu les résultats que j'ai sous la main, la patiente souffre d'une anémie et d'un surménage. Anémie? C'est grave? Non, il faut juste qu'elle se repose beaucoup. Ah, OK. Bon. Je vais prendre ceci. Tenez. Achetez ces médicaments. Ce sont des vitamines et des fers. Vous verrez que d'ici quelques jours, elle sera sur pied. C'est gentil à vous, docteur. Je vous en prie. Coucou, chérie. Oui. Comment elle va? Elle est hospitalisée. Est-ce que tu peux poser une question à la fois, s'il te plaît? Oui, elle a été hospitalisée. Et comment elle va? Je pense que tu aurais pu te déplacer pour t'enquérir de la situation, non? Et qu'elle ait rangé tout le bazar qu'elle a laissé ici? Hein? Tu es partie, non? Ça va? Tu m'as représenté là-bas? Est-ce que tu peux faire la table, s'il te plaît? J'ai faim. J'ai pas fait à manger. Je te jure, chérie, je suis au bord de l'évanouissement. Il y avait trop de choses à faire ici. J'ai pas pu faire à manger. Mais il y a des œufs frais, si tu veux. Ou alors tu rechauffes les restes d'hier. Ah, je suis vraiment fatiguée. Bon. Bébé, s'il te plaît, tu fais des portions, d'accord? Pour toi et moi. Là, je suis fatiguée. Je vais dans la chambre me reposer. Oui, allô? Oui, Pauline? Tu travailles ou tu ne travailles pas? Hey, ça fait trois jours que tu n'es pas là. Je te remplace ou quoi? Hein? À qui est-ce que quoi? Tu parles là, chérie? Je parle à cette feignante de Pauline. La bonne dame, c'est la coule douce, pendant que je me tue à la tâche. Après, elle viendra ici réclamer le salaire. Je l'attends ici fermement. Charlotte, tu t'entends parler là? Qu'est-ce qui te prend?
Il me prend, monsieur mon mari, que je suis fatiguée. Fatiguée de payer une fainéante. Bonsoir. Oui. Je suis assis là depuis quelques minutes et je me rends compte que vous êtes aussi seul comme moi. Je me demandais si tout va bien. Bien sûr que tout va bien. Ah, sorry. Je suis impoli. Je m'appelle Georges. Charlotte. Enchantée, Charlotte. Je peux me joindre à vous? Non, je suis mariée. Et justement, j'attends mon mari. Ah, d'accord. Ben, c'est pas grave. À très bientôt, Charlotte. Bébé. Bébé. Oui? Je peux venir te rejoindre, s'il te plaît? Je prends une douche. Je sais, je peux venir, s'il te plaît. Bébé, je suis désolée. Je sais que j'aurais pas dû te gifler tout à l'heure. Je suis vraiment désolée. Pardonne-moi, je t'en supplie. J'ai toujours adhéré à tes caprices. Jamais je n'ai levé la main sur toi. Je sais, bébé. Je te jure, je ne ferai plus jamais ça. Ok, viens me frotter le dos, chérie. Sûr? Bonsoir. Vous allez bien? Décidément, tu me suis partout ou quoi? Non. On dirait mon ombre. Je proteste. C'est vrai que ton image ne quitte plus mon esprit. Mais je t'assure que quand je suis au pays, c'est ici que je prends mon père. Je peux me joindre à vous? Ouais, s'il vous plaît. Ouais, pourquoi pas. Merci. Waouh! Toujours aussi jolie, Charles. Ouais. Merci. J'ai toujours pensé qu'on devait se revoir. Que ça ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin. S'il vous plaît, un verre d'eau. Incroyable. Merci. Je voudrais te souhaiter d'être toujours aussi belle, Charlotte. Merci. Chérie. Oui, bébé. Oui, chérie. Qu'est-ce qui te prend de m'appeler à une heure pareille?
Je voulais juste entendre ta belle voix, mon ange. D'accord. Oui, tu me manques aussi énormément. J'ai hâte de te revoir. On se voit demain. J'ai une surprise pour toi. Ouais, c'est ça. Flatteur, bah. S'il te plaît, chérie. Il faut qu'on se voit. Ok. On va donc dire à demain. Ok. Merci. Raccroche. Non, raccroche de ton côté. Bisous, bisous. Bisous, bisous. À demain. Charlotte, c'est bon. Dossier en cours de traitement. Appelons Sylvie. C'était qui? Non, personne, chérie. C'est une copine. Rendons ton bébé. Oh. Merci d'être venu, Trésor. Je suis tellement comblée. Tu es vraiment belle. Merci, chérie. Tu es très beau toi aussi. Merci. À ta santé. Santé. Tiens, c'est pour toi. Pour moi? Qu'est-ce que c'est? Ouvre et tu verras. Waouh! C'est trop beau, chérie. J'adore ton cadeau. Ça, ce n'est que le début d'une panoplie de cadeaux que tu recevras. Ah bon? Non, j'adore, j'adore. Tu es comme l'air que je respire. Sans toi, je suis foutu. Charlotte. Tu sors d'où, madame? Je suis désolée, chérie. J'ai pas vu le temps passer. Je t'ai appelé plusieurs fois et ça ne passait pas. J'avais plus de batterie. Et il ne t'est pas venu à l'idée de me faire un SMS avant? Mais Charlotte, qu'est-ce qui t'arrive? Écoute chérie, je suis fatiguée. Mais alors très fatiguée. J'ai fait les courses toute la journée avec Charlène. Ensuite, elle m'a invité à prendre un morceau. Je n'ai pas vu le temps passer. Des amis sont venus, d'autres sont venus nous rejoindre. Tu vois, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Bon, je vais aller me coucher, d'accord? Je suis vraiment fatiguée. Chérie, tu me plais tellement.
Toi aussi, bébé, tu as coqué. Merci, trésor. Et si on s'échappait vers la Belgique? Rien que toi et moi. Sérieusement? Oui, chérie. Mais bébé, je suis mariée, Georges. Mais chérie, sépare-toi de ce vieillard et tu auras le monde à tes pieds. Regarde-toi. Il ne te mérite pas. Oh, Georges, tu me plais tellement. Tu me rends dingue. C'est fou. Je t'aime trop. Je ferai n'importe quoi pour toi. De mieux qu'un jus de fruits pour te booster. Merci. Écoute, Charlotte, arrête de lui crier dessus. Non, chérie. Non, chérie. J'en ai marre de toi, Pauline. Arrache-moi ça. Arrête-moi ton cinéma. Ça va aller, Pauline. Ça va aller, ok? Tout le mal que tu fais aux autres, un jour tu vas le payer. Tout le mal que tu as fait aux autres, un jour tu le payeras. Maman, il s'est passé quelque chose de bizarre aujourd'hui au travail. Quoi donc, ma fille? Je ne sais pas, mais... j'ai comme l'impression que madame veut se débarrasser de monsieur. Tu veux dire tuer? Oui, maman. Attention, ma fille. Tu sais que tu es la seule. N'oublie pas. N'entre pas dans leurs choses. J'ai compris, maman. Je ferai attention. Bon, quand je viens de rentrer, je vais aller d'abord prendre ma douche avant de venir manger. Vas-y, moi je me suis déjà lavé. Ok, maman. Oui, allô bébé. Comment tu vas, bébé? Oui, mon amour. Je veux te voir. Ok, dans une heure. D'accord, bébé, ça marche. Je t'aime aussi. Je t'aime.
Oui, Charlène, ma puce, bonjour. Ah oui, tout doucement, ma grande. Non, non, ça va, tranquille. Écoute, ma belle, je veux que tu me couvres, d'accord? Mm-hmm. Tu sais, Didier, c'est qu'on sort ce soir ensemble. Et comme je le connais, je sais qu'il va t'appeler. Oui. Ah, d'accord, ma belle. Merci, merci, ma chérie. Merci. Allô?
Oui, salut Charlène, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, à quelle heure s'est achevée votre petite sortie entre filles? Charlène, tu sais très bien qu'elle ne supporte pas l'alcool. Pourquoi l'as-tu laissée boire autant? D'accord. Merci. À plus. L'excès d'alcool n'est pas bien. Tu dois prendre des cachets pour soulager tes maux de tête. Oui. Tu sais très bien qu'aujourd'hui c'est dimanche, Pauline ne travaille pas. Et moi je dois manger. J'ai une faim de loup. Je sais, bébé. Mon Dieu, mon Dieu. Bonjour, monsieur. Bonjour, Pauline. Oui, je m'ennuie à la maison et comme maman va mieux, j'ai décidé de venir donner un coup de main à madame. Ah, tu ne pouvais mieux tomber. Ta patronne est à la cuisine et elle se sent mal. Ah, ok. Bon, je vais me changer. C'est gentil. Rien de mieux qu'un verre de jus, n'est-ce pas? Merci, mon amour. S'il vous plaît, monsieur, ne buvez pas ce jus. Pauline? Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que vous étiez déjà vue. Pauline a dit qu'elle s'ennuyait chez elle et qu'elle a préféré venir te donner un coup de main ce dimanche. Non, Pauline, merci. J'ai pas besoin de ton aide. Tu peux rentrer. Monsieur, je vous ai dit de ne pas boire ce jus. Qu'est-ce qu'il ne veut pas faire pour lui, hein? Mais pour qui te prends-tu à la fin? Mets-toi hors de chez moi. Monsieur, moi je cherche à vous sauver la vie. Pour remerciement, vous me mettez hors de chez vous? Me sauver de qui? De quoi? Allez, mettez-vous hors de chez moi.
Écoute-moi. Clé de la voiture. Pauline. Pauline. Apporte-moi les clés de la voiture, j'ai dit. Pauline. Pauline. Merde. Docteur, s'il vous plaît, comment est-ce qu'elle va? Son état est stable. On vient juste de lui faire un lavage de l'estomac. Docteur, est-ce qu'elle va s'en sortir? Ah, le pire est déjà passé. Ne vous inquiétez pas. Merci, docteur. Je les ai remis chez moi. Hein? Tu viens me défier chez moi. Sous mon toit. Dans mon territoire. Pauline. Pauline. La première fois. J'ai voulu en finir avec lui. Tu m'en as empêché. La seconde fois aussi. Mais la troisième fois. Tu ne seras pas là pour le faire. Parce que tu seras morte. Tu ne m'empêcheras pas. Tu ne m'empêcheras pas d'être heureuse. Jamais. Charlotte, qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire là? Pauline. Pauline. Maman. Comment tu te sens? Ça va, ne parle pas. Et calme-toi.
qu'est-ce que tu fais? Et la valise, elle va où? C'est une longue histoire, chérie. Bébé, tu es libre, n'est-ce pas? Je le suis maintenant aussi. Et tu voulais que je t'accompagne en Belgique? Rien ne nous empêche d'y aller maintenant. Tu m'aimes? Une minute, Charlotte, oui, mais... Mais quoi? Tu m'aimes? Je t'aime aussi. Alors... Bébé, qui est-ce? Bébé? Tu es qui, toi? Pour appeler mon homme, bébé! Mon homme comment? Et Blaise, qu'est-ce qui se passe ici? Blaise? C'est qui Blaise? C'est qui Blaise? C'est moi, Blaise. Et elle, c'est Carole, ma fiancée. Ah! Hors de ma vue! Hors de ma vue, je dis! Blaise, je viens de foutre ma vie en l'air à cause de toi. Blaise, ou qui que tu sois, je viens de foutre ma vie en l'air pour toi. Ok. Chérie, c'est moi Charlotte. D'accord. Je peux tuer pour toi, tu le sais. N'est-ce pas? Calme-toi. Je suis calme. Calme-toi. Chaque chose a un début et une fin. Notre histoire est terminée. Non. Est-ce que tu peux sortir maintenant? Parce que tu nous gênes là. Non. Écoute-moi bien. Espèce de rat d'égout. Tu vas me le payer. Je ne sors pas. Je ne bouge pas d'ici. Non. 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 Maman, je souhaiterais que Pauline et toi passiez sa convalescence chez moi. Non, 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 monsieur, merci. Merci, vous avez déjà beaucoup fait pour nous. Merci. Pauline, ce n'est rien comparé à la vie que tu m'as sauvée. J'insiste. D'accord, monsieur. Ok, allons-y. Thank you.
tout le mal que tu fais aux autres. Un jour tu vas le payer. Tout le mal que tu as fait aux autres. Un jour tu le payeras. Il y a quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? La vie est l'aller et le retour. Un jour on échappe, on traumatise les autres. Mais un jour au retour, on paie le prix de la méchanceté. Tout le mal que tu fais aux autres, un jour tu vas le payer. Tout le mal que tu as fait aux autres, un jour tu le payeras. Vous vous trompez de personne. Charlotte, stop. Charlotte, s'il te plaît, pardonne-moi. Calme-toi, bébé. Je sais qu'on est plus courageux que ça. Monsieur Georges. Non. Blaise. C'est ça? Blaise. Le tombeur. Ah ouais? Ah ouais? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? Ah ouais? Tu veux que je te pardonne? Oui. Ah ouais? Oui. Vraiment, bébé? Oui. Oh, d'accord. Oui. Fais-moi l'amour. Tu me feras l'amour comme avant, c'est ça? Oui. C'est ça? Oui. Ah bon? Oui. Espèce idiot! Espèce idiot! À cause de toi, j'ai foutu mon mariage en l'air! Mon mariage en l'air! Ma vie en l'air! Monsieur Georges, le tombeur de ces dames. Charlotte, ne fais pas ça. Non, je te détache, mon amour. Ne fais pas ça, Charlotte. Ne fais pas ça. Ah ouais? Ne fais pas ça, Charlotte. Espèce d'imbécile! Espèce de chien! Débarrassez-moi de ça! Thank you.
une fois de plus, bienvenue chez moi. Pauline, que voici. Je l'ai élevée comme ma propre fille après le décès de son père. Je vous vois nombreux et contents. J'espère que vous êtes sincères. Car je voudrais que ma fille soit heureuse chez vous. Merci. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Ça nous va tout droit au cœur. Mais rassurez-vous, votre fille est déjà dans de bonnes mains. Invite à table. Je vous ai gardé un morceau de manioc et l'eau. En tout cas, tout ce que vous allez trouver là-bas, réjouissez-vous. Thank you.
Madame. Charlotte. Madame. Madame. La vie est l'aller et le retour. Un jour on échappe, on traumatise les autres. Mais un jour on retourne, on fait le prix de la méchanceté. Tout le mal que tu fais aux autres, un jour tu vas le payer. Tout le mal que tu as fait aux autres, un jour tu le payeras. Un jour on a l'argent, un jour on est foiré. Un jour on est pauvre, un jour on a l'argent. Quand on est au-dessus des autres, on ne respecte pas les pauvres. La justice des hommes est sans pitié, les hommes n'ont pas de conscience. La justice des hommes est cruelle, quand on est au-dessus des autres, on est injuste et méchant. Mais en oubliant que la vie est l'aller et le retour. Quand on est au-dessus des autres, on est impitoyable et orgueilleux. Mais un jour, on n'est plus rien. Thank you.